Eh bien, salut les players, c'est Shadows et on se retrouve pour ce second walkthrough sur Star Fox Assault. Ouh yeah! Je vais éviter le ouh yeah, ça fait trop plagiat de BB300. Par avance, je m'en excuse. Donc, allons-y, hein. Alors, Star Fox Assault, c'est un des jeux GameCube que j'ai le plus apprécié. Malgré sa courte durée de vie du mode solo, j'ai pas mal joué, surtout au mode multijoueur. Car oui, ce Star Fox, c'est une première d'ailleurs dans tous les Star Fox. Non, je déconne. C'est une première dans tous les Star Fox sur GameCube en tout cas. Parce qu'ils étaient au nombre de deux, hein, Star Fox Assault et Star Fox Adventure. Star Fox Adventure était concentré sur vraiment le mode solo, il n'y avait pas de mode multi. Mais là, ils ont mis ça au goût du jour. Un peu comme Elite Wars sur N64. Sauf que dans ce mode multijoueur, on a le choix entre être en infanterie, en véhicule ou en Arwing. Ce Star Fox Assault aussi vous propose un jeu bonus. Alors je crois qu'il se débloque. C'est Xevious, il me semble. Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour débloquer ça, faut débloquer un serveur. Faut débloquer plusieurs icônes dans le mode solo en fait. J'y suis jamais arrivé, hein. J'ai jamais cherché à jouer là d'ailleurs. Donc c'est parti. Alors. Ok, c'est parti. Donc je vous laisse regarder l'intro, hein, sympatoche. Remnants of Andross's butcher, you've kept us busy, but now your end is at hand. No quarter! Show these dogs we mean business! All ships, battle formation B. Break through the center! The Cornerian fleet has broken through our front lines. They're everywhere! Think you're tough, eh? In that case, it's secret weapon time! Stealth squadron, open fire! Stinking ape! We underestimated the strength of his reserves. Detecting gate transmission outside the combat sector. Fox? Command! This is Starbox team! Team Starfox, ready for duty. Ah, leave these losers to the pros! We'll beat them in no time! Donc pour l'histoire, en fait, les événements de Star Fox Assault se passent après Elite Wars. Je ne suis pas calé en histoire de Star Fox, mais il me semble que cette histoire se passe pendant les derniers restes de l'armée d'Andross. Et donc là, l'équipe Star Fox élimine ces derniers, justement, restes de l'armée d'Andross, donc, jusqu'à ce qu'une nouvelle menace soit découverte plus tard dans la mission. Un truc encore une fois appréciable, c'est qu'ils aient laissé, qu'ils n'ont pas fait l'effort de mettre une version française. Et je dis heureusement. Toujours sur le côté humoristique avec Sleepy, hein. Communications line, green. Lycanae is no pushover, so be careful out there. Left line, the outcome of this battle hangs on.
on you, team. Are you all ready? Launch all ships. Donc on est paré pour cette première mission. Très simple, hein, c'est du ray shooting. Le but est de trouver le leader ennemi, le nom de Okoni, qui est un neveu, il me semble, d'Andros. Donc ça commence très simple. Hein. On est dans la ring, bouton Y pour accélérer, A pour tirer. On a des petits objets assez utiles. Là, j'ai récupéré un truc pour avoir des lasers plus puissants. Là, l'anneau, ça sert à récupérer de la vie. Enfin, de l'autre vaisseau, en tout cas. C'est très simple au départ. Hein. Là, j'ai loupé une bombe. Moi, pour moi, c'est un des Star Fox préférés. Parce que je ne sais pas. Franchement, il y a beaucoup qui préfèrent Star Fox Adventure à Star Fox Assault et je ne comprendrai jamais pourquoi. Peut-être parce que. Non, je sais pas, je vois pas. Non, franchement, pour moi, Star Fox Adventure, c'est un Star Fox. C'est le Star Fox qui s'éloigne le plus de ce qu'est un vrai Star Fox, quoi. Pour moi, Star Fox, c'est ça, quoi. C'est du rail shooting dans ton arming, t'avances, tranquille, tu tires, et boum. Là, Star Fox Adventure, c'était une aventure dans une période de dinosaures. Enfin, j'ai jamais vraiment joué, mais ça m'a jamais vraiment attiré. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon avis. Donc mission très simple au départ, hein. Vous voyez, j'ai aucune difficulté, il n'y a rien de compliqué. Mais moi je me souviens que ce jeu, je l'avais surtout acheté pour son mode multijoueur. J'y ai passé du temps avec mes potes quand j'étais au collège. On jouait à 4, chaque pote, on ramenait nos manettes GameCube. Putain, c'était la belle époque. Il y avait ce jeu et puis Smash Bros. Melee aussi. Enfin bref, la GameCube c'était vraiment un autre truc. Parce que les deux autres consoles, PS2 et Xbox, proposaient que. Enfin, majoritairement des jeux à deux joueurs, donc au moins 4. Ce qui était un avantage, je dirais, pour la GameCube à l'époque. Donc, cinématique, encore une fois. Hein. Just G diffuser system output. Let's go. Reckon he seems to have fled, but he may be lying in wait for us. I want all of you to proceed with caution. Worrying a bit much, aren't you, Gramps? Let's take it in low. Graphiquement ça va, hein, franchement, enfin, ça, pour la GameCube c'est pas trop mal. C'est vrai qu'un Star Fox sur Wii U ferait pas de mal. Un bon vieux Star Fox HD, vous imaginez vous, enfin, franchement, je sais pas trop quoi penser de la Wii U perso. Parce que voilà quoi, franchement, la gueule de la console, mais... enfin, je sais pas, on n'a pas vraiment vu la console d'ailleurs, on a plus vu la manette, mais je sais pas trop quoi en penser. Alors ça, en tout cas, Nintendo innove, hein. Ça, pour innover, il innove.
mais franchement personne ne sait trop quoi en penser. Faut wait and see, j'ai envie de dire quoi. Là, je me fais dégommer n'importe comment. Ouais, donc voilà. Sinon, ouais, je l'aurais dit encore une fois, mais c'est vraiment cool qu'ils aient laissé une version anglaise au niveau des voix sous-titrée français. Parce que quand j'ai vu le trailer de Star Fox 64 3DS en VF, ça m'a surpris. Surpris, puis. Non, personne ne s'attendait à ça, c'est vrai que. Moi j'ai pas trouvé la... enfin du trailer en tout cas parce que j'ai pas acheté le jeu. J'ai pas trouvé ça énorme. Alors là vraiment tu dégommes tout. Là les faces comme ça, ça fait plaisir. Tu peux freiner avec le bouton R, ça c'est cool. Et là on arrive au boss de fin, enfin un sous-boss on va dire. Je le mets au Kenny. J'aime bien cette cinématique. La voix d'Okami me fait toujours tripper, c'est excellent. Careful, Fox. You never know what a corner beast might do. I must bring an end to our relationship. Die! You think you can win? Don't make it loud. Bon, très facile à battre. Hein. Aucune difficulté. Allez, gros. Voilà, c'est fini. Enfin, il y a encore un boss après. Heureusement encore. Cette scène, je l'adore quoi, c'est trop bien foutu. Ça marque vraiment la fin de l'armée d'Andros quoi, c'est génial. Malheureusement, une nouvelle menace est arrivée. Ah, c'est très simple. Aucune difficulté. Encore une fois. Faut niquer ses ailes. Et après, va faire niquer sa tête en fait. À un certain moment du jeu. Enfin, de la scène. Ce qui est bien foutu encore une fois, c'est les dégâts de l'arming qui sont bien faits. Là vous voyez, j'ai perdu mon aile à gauche. Donc c'est pas mal ça. Putain. Si je l'ai dégommé, ça y est. J'ai peur. Donc on arrive à la fin de cette première mission. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo pour une mission. Hein. Donc ça fera 10 vidéos. Ce que je vais faire, parce que là je suis dans la foulée, je vais tourner la seconde vidéo.
mais je vais séparer les deux vidéos. Enfin, je vais séparer ça en deux. Enfin, si vous avez pas compris, c'est pas grave. Donc je voulais se regarder la fin. Voilà, rapport de mission. Ça indique qui est encore en vie, enfin qui n'est pas... Ouais, qui est encore en vie, on va dire. Même s'il reste en vie. Donc vos points, le temps que vous avez passé, etc. etc. Voilà, voilà. Donc je sauvegarde. Et on se retrouve très prochainement pour la seconde partie. Ciao !